Salut YouTube, je suis Suzuki, je suis content de vous retrouver pour une petite découverte de Multiversus, la saison 1 de Multiversus, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai pas pu terminer la première saison, c'est chiant d'avancer dans le pass, je vois qu'ils ont rien changé. C'est même pire, j'ai l'impression. Du 15, du 11, c'est quoi le 15-11? C'est quelle date le 15-11? Le 15, du 9 août au 15-11. Ah, au 15 novembre. Et genre, il n'y a que 3 objectifs. Ah, et c'est acheté chaque semaine. Ce qui fait qu'en fait, tu vois, c'est dur d'avancer dans le passe-moi. Parce que là, je vais avoir 300. Plus. Non, t'as 6 que tu peux faire. Donc, t'as 600. Et ça me pas la peine. Je vais avoir 600, tu vois. 600 et un palier. Ensuite, on a quoi, tu vois? On a Taz, on a un skin de Taz, si vous voyez au-dessus, hein. On a une provocation, on a des boosts XP. Ah, on a un truc pour Harley Quinn. Taz Paris, qui est une variante de Harley Quinn, mais qui ressemble vachement au skin qu'il y avait déjà au début. C'est pas ouf. Alors, au premium, c'est quoi? C'est un jeton premium. Ouais, c'est ça. C'est un jeton premium, moi j'en ai déjà 3. 20 de Grenat et tout, tu vois, je vois même pas à quoi elle ressemble. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une emote aussi. C'est quoi? Ah, ça, c'est une éjection de Gossamer, d'accord. Provocation. Ah, il y a un skin. Non, c'est pas que c'est encore une provocation. Qui est cool, mais bon. Dans le tombé de Jerry, détective. Ah! Là, c'est une pause avec le maillet qui est sympa, mais level 46, tu vois. Je sais pas si ça va pas être dur de monter jusqu'au level 46. Ah, la variante de Bugs Bunny, par contre, elle est chiant. La variante de Bugs Bunny, j'aime bien, mais t'as vu jusqu'où faut monter? Ah, la variante de Robin de LeBron, elle déchire. Celle-là, elle déchire, elle déchire. Et tu vois, elle est gratuite, hein, mais faut jouer quoi. Le pire, c'est que le pass gratuit va aussi vite à monter, enfin, aussi pas vite à monter, je serais tenté de dire que le pass de base. Ça, c'est une icône, ok. Et. D'accord, c'est une icône de profil. Ok. Ben, let's go, regardons ce qu'il y a de nouveau, hein. Alors, moi, j'ai juste à faire confirmer. Il faut sélectionner Et un combattant. non! Le son était hyper fort. En fait, pourquoi ça a fait ça? Voilà. Il faut sélectionner un combattant. Ça va le niveau son, c'est pas trop dégueulasse. Il n'y avait pas de nouveau? Rick et Morty, j'avais cru voir. Ah, ils indiquent les rotations gratuites maintenant, même quand t'es payant. Comme ça permet de savoir qu'actuellement c'est elle, LeBron, Batman et Steven qui sont gratuits. Wonder Woman que tout le monde a eu. Allez, let's go. Ah bah, il y a une nouvelle Harley Quinn. Il est cool comme skin. Si j'arrive à avancer et si le système d'expérience n'est pas trop dégueulasse et qu'on puisse aïe et qu'on peut avancer. Je suis désolé, j'ai été à Bacchanal, c'est un festival et je suis crevé. Alors pourquoi je joue? Parce que c'est ma manière de me détendre. Alors pourquoi je fais une vidéo pendant que je joue? Parce qu'en fait je veux jouer à Multiversus et j'ai vu qu'il y avait la nouvelle saison. Il n'y a pas grand monde qui a réussi à finir le pass de pré-saison et je pense que ça a refroidi pas mal de monde, hein. C'est dommage. Parce que moi, clairement, j'ai pas envie. Tu vois, là, j'ai même pas envie d'acheter le season pass. Parce que j'ai aucun intérêt à l'acheter. C'est-à-dire, je vais voir jusqu'où je vais avancer. Et selon là où je vais avancer, si ça me plaît, je vais rester. Si ça me plaît pas, bah, je vais pas l'acheter, puis c'est tout. On se parle même pas Maintenant vraiment que le d'acheter, combat puisque commence. je l'ai directement. Enfin, c'est l'éditeur qui m'a donné un pass premium.
Tu sais, il y a toujours le problème de l'écran qui clignote. Pourtant, j'aurais essayé d'y aller plein de fois. Finissons-en rapidement. Allez, let's go. Ah, je pensais vraiment qu'elle allait partir en l'air, tu vois. Elle m'a pas laissé d'aller derrière le coup. Oh, la chance! Ça devait esquiver en même temps! Elle a rebondi, mais pas du bon côté. C'est quoi cette... Elle est énervée. Je n'abandonne jamais. Ce vieux coup que je lui ai mis. Eh, ça mérite, ça mérite un replay. Ça remite que je, ça mérite que je le rebisse. Allez, viens Wonder Woman, viens prendre ta raclée. Eh, j'avoue, elle est trop. Elle... Oh, 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 oh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh, elle m'a attiré. Oh, la saloperie. Allez, vers le haut. Po. J'aime beaucoup ce jeu. J'adore ce jeu. J'aime bien Rumbleverse aussi. Il y a plein de jeux que j'aime bien en ce moment. C'est trop bien. Oh non, Wonder Woman, nous fais pas ça. Énorme. Super. Bon, on va regarder comment sont distribués les points. Est-ce qu'il y a eu du changement à ce niveau? Ça, c'est les pièces d'or. Les pièces d'or, ça va. Enfin, je trouve que les pièces d'or, tu peux te démerder pour évoluer. Ça, c'est... Les pièces d'or, c'est pas trop un problème, tu vois. C'était l'XP, le... Non, l'XP c'est pas un problème non plus. L'XP n'était pas un problème. C'est l'XP de passe de combat. Ouais, c'est ça. Ah. C'est pas ouf, hein. J'ai 30 jusqu'au prochain palier, bon. J'avais le premier à utiliser un geste. Après, t'as des trucs, c'est vrai que c'est facile à faire. Si tu joues tous les jours, ouais. Je reprends Harley Quinn à nouveau. Elle est trop bien. J'aime bien. Même si je suis un fou. Donc, je vais vous raconter un truc. En fait, je parlais avec une amie. Et en fait, au festival, j'étais avec une fille qui venait pas de... qui était pas de Martinique, qui comprenait pas le créole. Et en fait, elle me dit... Ah, mais c'est trop bien ici. Enfin, juste avant, il y a un mec qui débarque. Et c'est un espace VIP. Et je sais pas pourquoi. Il y a un gars qui a voulu vérifier. Enfin, un gars qui contrôle les entrées, qui voulait voir le théâtre. Et puis, le gars a crié... Moi VIP en coucou de mon zot. Le combat commence.
Sachant que coco de mormozote, c'est une insulte pour dire le vagin de ta mère. Voilà, c'est une insulte. Et... Mais il a dit ça, mais je sais pas, mais c'est vrai que culturellement parlant, bah, le gars il dit ça, mais tu vois, il passe derrière. Enfin, je veux dire, ça fait rire tout le monde. Et en fait, elle comprenait pas la fille qui était avec moi à ce moment-là. Et elle disait, ah mais c'est trop bien, Martin, vous mettez trop en valeur les mamans, vous les mettez trop en avant. Je sais pas comment te dire, mais en fait, je crois que ça veut pas dire ce que tu penses. Et c'était marrant, j'ai une amie qui me répond par rapport à ça. Elle est plus forte que moi là, Harley Quinn. Ah ouais, elle est beaucoup plus forte que moi. Comment on sort le rap Quand t'es en l'air, comment tu sors ça? Tu te pars comme un fermier. En fait, c'est neutral quoi. J'ai jamais vu un aussi mauvais épéiste. Qu'est-ce qu'elle est chiante! Qu'est-ce qu'elle est forte aussi! Bon, c'était tout pour l'histoire. Hey, ils sont tellement plus forts que nous. J'ai l'impression qu'on peut le charger plus longtemps en l'air le marteau maintenant. Putain, le t'as fait. Level. Regarde son level. Regarde son level. Regarde son level. Dégage. Eh, hey, faut les balancer en l'air là. Quoi? Putain, j'y arrive pas. Mais non, j'ai lâché un coup de poing. Ouais, c'était l'anecdote à la con. Si on demande ce qu'il s'est passé ici, dites-leur que le nord. Y a pas de nouveau paysage. Eh, j'ai accepté, mais en vrai, je voulais dire non merci, tu vois. Mec, on va se faire éclater, on va se faire éclataxe, mec, on va se faire éclataxe! Ne comprends-tu pas qu'on est plus faible? Il faut sélectionner un combattant. Nous sommes plus faibles. Ah oui, il faut que je... J'utilise un geste. Je doute que tu aies déjà le premier coup projeté, c'est quoi? Ah, c'est quand tu balances quelqu'un. Bah, le geste, déjà, on va le faire. Faire dès que j'arrive, je fais la provoque. Le bruit que vous entendez, c'est moi qui clique sur le geste, tu vois. Je veux faire le geste. Je veux là, maintenant, là, le geste. Let's go, frérot, n'aie pas peur. Hein. C'est toi qui a soi-disant voulu refaire. Ils reprennent les mêmes. Évidemment. Clap 2K. C'est même pas des joueurs Xbox, c'est des joueurs PlayStation. Donc, il y a plus de joueurs PlayStation que de joueurs Xbox. Celui qui est avec moi, c'est un joueur PC. Imagine, il joue clavier souris. Je dis ça, mais je crois que je peux jouer clavier souris multiverse. Je n'ai même pas ça sur mon PC. Je suis pas sûr. Je sais pas si mon pack fondateur il se transfère de console en console. Et maintenant que le combat commence. Je suis pas sûr. Je pense que oui. Je pense que oui, parce que tu crées un compte Warner Bros. C'est comme les comptes Fortnite, tu vois. Donc, je suppose que oui. Non, je peux pas l'assurer. Putain, mais tout le monde charge super vite le jeu. Hein. C'est bien. Oh là là, ça va pas être de la table. Allez, je vais faire mon geste. C'est bien trop facile. Projeté. Ce sera rapide. Est-ce que ça, c'est un coup projeté? Je sais même pas si j'étais le premier à faire un coup projeté. Mais en tout cas, on projette vos mamans. Je suis un loup. Tranchage spécial.
Putain, mais comme j'ai trop essayé de revenir. Et l'autre, elle fait la bébelle là. Dégage. Elle est pas contente, j'ai eu un succès en plus. T'as une assurance maladie, j'espère. J'ai jamais vu un aussi mauvais épéiste. Laisse-moi remonter. Je n'abandonne jamais notre histoire. Point décisif pour l'équipe bleue. Pas aujourd'hui. Point décisif pour l'équipe rouge. Mais j'arrive pas à remonter, elle arrête pas de bourriner. J'ai jamais vu un aussi mauvais épéiste. On peut pas rester accroché sur le côté comme dans Smash Bros. Après, c'est parce que j'esquive pas assez. Non, on veut pas de groupe avec eux. Je vais m'arrêter là, moi. Trop fatigué. Je joue trop mal. J'ai juste mes missions. Tu vois, ouais. Il faut sélectionner un combattant. Tu vois, juste ça là. Hop. Voilà. Comme ça, j'ai dévoilé le premier tiers. Et c'est quoi les autres trucs? Réaliser. Remporter deux matchs. Le premier coup projeté. Let's go. Je doute que tu aies déjà rencontré une femme comme moi. Ah, c'est vrai, il faut récupérer les trucs. Ah, donc quand tu récupères pas les trucs, ils te les donnent pas. De toute façon, si tu joues pas, tu t'avances pas dans le pass. Mais... Tu vois même pas l'ancien pass. Hein. Tu sais que t'as pas reçu tes récompenses et puis c'est tout. C'est pas bien ça. C'est pas bien. Je vais encore level up Wonder Woman. Mais attends, c'est pas le même perso, mais il y a beaucoup de gens qui jouent avec Harley Quinn. Hein. Et Arya Stark, comme par hasard. Mais c'est pas les mêmes personnes. Niveau de maîtrise 15. Hein. Et maintenant que le combat commence. Je sais pas, il me faut un peu peur. Je t'avoue que. Ok, ils me font flipper là. J'ai créé un test de multiversus, je sais même plus. J'aimerais bien écrire un test sur ce jeu. Non, je vais être le premier à faire un coup. Attends, je suis pas rouge. Putain. En vrai, tu vois, j'ai retiré le truc d'aura là. Ah. Bon, je sais pas. Est-ce qu'on va gagner? Je pense que la réponse est non. Dangereuse, hein. Si j'arrive à la mettre dehors. Idéalement, je voulais mettre dehors elle avant. Je vais tâcher de me souvenir de cette technique. Elle m'appelle Daddy Chocolat. Oh punaise, elle est passée dans mon dos. Et j'arrive pas. Une assurance maladie, comment c'est possible ce qui se passe? Mais elle me fait level. Ces coups sont tous prioritaires ou je rêve? Mais regarde, elle est toujours là! Oh, elle a même pas dégagé!
La fille, elle rebondit, elle est toujours là. C'est scandaleux. C'est hyper scandaleux. Je n'abandonne jamais. Vas-y, coupe et retournez là. Mais je frappe sur le coup de pied, retourne. Et regarde, elle est pas venue. Mais comment elle est revenue? Point décisif pour l'équipe rouge. Mais c'est hyper scandaleux. Bon. Rebondi là. Allez, fallait frapper pendant que je faisais ça. Putain, il est tombé tout seul ou c'est moi? Je suis un gros rageux. Je distribue même pas des toasts. Personne n'en mérite ici. Bordel de merde. 200. Il faut deux défis. Trois défis en gros au palier. Je déteste ce défi. Utiliser tous les sauts électroniques. Tous les sauts et tout en là, sans toucher le sol, ça j'y arrive jamais. Ça je n'y arrive jamais. Écoutez, c'est tout. Le truc, c'est que la saison, elle apporte pas grand-chose par rapport à la pré-saison. Ils auraient dû sortir les personnages en début de saison, parce que là, c'est... Bah, après, c'est la saison 1. La pré-saison est censée ne pas compter. Il y a des gens qui ont eu des trucs dans la pré-saison. Donc... Voilà, voilà. Bon, les amis, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. C'est tout ce que je voulais vous montrer. Enfin, c'est tout ce que j'ai à vous montrer. Il n'y a pas grand-chose d'autre sur le jeu. Excellent jeu, Multiversus. Essayez-le. Si vous avez une Xbox Series S, pour moi, ça fait partie des hits à avoir sur sa console. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Et à bientôt sur otaku.fr. Ne vous inquiétez pas, je suis juste fatigué, c'est tout. Je suis crevé. Et là, je me dis, putain, j'ai soif, tu vois. Ciao, bye bye.